Les acquis que tu as te réconfortent face à l'inconnu. Et il y a une bataille entre l'inconnu et tout ce que tu es là maintenant, avec tout ce que tu as pu accumuler, parce que tu t'es identifié à tout ce que tu as pu accumuler, et tout ce que tu ne sais pas devient un danger. Donc tu tentes à garder tout ce que tu as acquis comme étant un réconfort, une sécurité. Et c'est comme ça que, pour la plupart, nous voyons les choses. Nous voulons avoir cette sécurité et la garder pérenne. Et pour ça, donc, il faut continuer à avoir des conclusions, les garder, et puis se rassurer avec ça, comme si c'était quelque chose de sacré. Donc, tout ce que tu connais devient quelque chose de très important. Pourtant, pourtant, tout ce que tu ne connais pas efface tout ce que tu as connu, parce que tout ce que tu as connu ne peut pas se propager en dehors du temps. Ça reste les affaires de hier, de ce qui fut, et tout ça est limité. C'est-à-dire que ça va être effacé par ce qu'il y a de vrai. Parce que ce qu'il y a de vrai ne t'est pas encore accessible, puisque tu vis dans le temps. Et le temps t'empêche d'aller au-delà de l'habitude et des trains-trains. Donc pour toi, c'est important d'avoir demain. Et hier était très important aussi. Donc tu ramènes tout ce que tu sais dans le présent et tu concoctes quelque chose pour l'avenir. Mais en fait, tu restes dans le sillon de l'habitude. Tu es devenu quelqu'un qui répète dans un cercle vicieux, dans les sillons déjà tout tracés. Tu joues le même rôle, tu fais toujours les mêmes choses. Et en fait, ta vie devient monotone. Parce que, en fait, ce n'est pas la réalité. La réalité, ce n'est pas tout ce que tu as connu. Tout ce que tu as connu va mourir, puisque ça appartient à hier, ça appartient au temps. Mais quand il n'y a plus le temps, tout est là. Tout est là. Il n'y a rien qui peut être révélé à ce moment-là. Tout est là. Il n'y a rien à dévoiler. Puisque ton esprit, il n'est pas obstrué par ce que le temps propose. Tu as sorti de la limite de tout ce que tu pouvais savoir et tu acceptes d'effacer, de laisser ça de côté pour avoir une vision beaucoup plus large. Et cette vision, tu ne peux pas aller la chercher. Elle est déjà là en toi. Cette vision, c'est quand tu cesses de t'activer à faire exister ce que tu connais. Si tu insistes à garder tout ce que tu connais, cette vision ne pourra jamais être présente en ton sein. Donc, il s'agit de ne pas côtoyer ce que tu t'attaches avec. Tu t'attaches, tu t'emprisonnes. Tu t'emprisonnes dans le passé, dans tout ce que tu connais. Tout ce que tu connais, ce sont des choses auxquelles tu peux t'attacher. Et là, tu ne vois pas autre chose au-delà de ta vision acquise. Or, cette vision acquise, c'est une illusion. Ce n'est pas quelque chose de vrai. Ce qui est vrai, c'est ce qu'il y a en dehors de toutes ces habitudes qu'on se donne pour pouvoir exister, pour pouvoir faire en sorte que tu puisses vivre dans le réconfort de tout ce que tu as appris, pour ne pas avoir l'angoisse
de ce qui est immensément incompréhensible, intouchable, éternel, sacré. Mais ça existe, c'est là. Sauf que toi, tu t'es identifié avec le temps et tu ne connais que ce que le temps propose. C'est-à-dire tout ce qui fut, tu vas l'emmener dans ton présent, tu vas le concocter et tu vas l'envoyer dans l'espoir. Pour que demain sera quelque chose de mieux encore que ce que tu as maintenant. Donc nous avons donné à ce demain-là beaucoup d'importance. Mais tu vois, ce demain, c'est quelque chose qui fait que l'esprit est toujours en mouvement. L'esprit est occupé à réagir aux événements et dans ces événements, il se projette dans des histoires. Ces histoires dans lesquelles tu te projettes n'existent pas, bien sûr. C'est une illusion. Tu te fais des promesses auxquelles tu te promets d'atteindre. Mais en fait, quand tu atteins les choses que tu voulais, tu retrouves seulement ton désir, mais pas la réalité. La réalité, elle est au-delà du temps. Elle est quand le temps s'arrête. Et qu'est-ce que le temps? Sinon, une multitude de ce que le passé propose, qui veut t'emmener dans ton présent pour pouvoir faire en sorte que le futur existe. C'est ça le temps. Mais tout ça, c'est une illusion qui est projetée. Et là, on dit ne projette pas. Comme ça, l'illusion cesse. Pourquoi a-t-on toujours envie de projeter? A-t-on toujours cette anxiété de demain? Qu'est-ce qui sera? Qu'est-ce qui se passera? Comment je vais faire? Tout ça, c'est l'inquiétude de ce que demain propose. Et ce sont des histoires que l'on se raconte. Le temps s'arrête quand ces histoires cessent d'être racontées, quand l'envie d'aller vers quelque chose cesse, quand le but n'est plus là. Puisque, en fait, quand le passé n'est pas là et que la vie coule, il n'y a pas de but. Tout est là. Il n'y a rien à être révélé, tout est là. Sauf que ton esprit est occupé. Est occupé avec le passé. Il ne peut pas le voir, il ne peut pas le comprendre. Il ne peut pas l'accueillir non plus, puisqu'il est rempli de ce que le passé propose. C'est pour ça que tout ce que tu t'attaches avec devient pour toi une dépendance, et cette dépendance t'empêche de voir ce qu'il y a de neuf. Parce que tu t'attaches à la dépendance, à ce que tu crois être bon pour toi, être bon pour ta sécurité, la sécurité de ma personne qui veut encore exister dans le temps. Et la personne fait exister des choses pour pouvoir se vautrer dans toutes ces choses, pour pouvoir avoir ce plaisir, avoir ce confort. Nous avons fabriqué ce monde, et ce monde ressemble au personnage qui veut exister. Mais ce n'est qu'une répétition de tout le temps des mêmes choses qui se répètent, c'est les habitudes. Les quotidiens se répètent toujours comme ça. L'homme n'est pas libre. Il est emprisonné dans sa connaissance, dans la connaissance de ce qui fut. Mais il n'est pas libre. La liberté vient quand tu réalises que tout ce que tu sais est faux, que tout ce que tu sais n'a rien à voir avec la réalité. La réalité, c'est ce qu'il y a. Et ce que tu sais, c'est ce qui fut. Et ce qui fut maintenant n'existe pas. Donc tu vois que ton esprit est encombré de tous les agrégats de ce que le passé laisse.
Tu es encombré du passé, tu es encombré des histoires que tu t'es fabriquées, et toutes ces histoires deviennent importantes et occupent ton esprit. Et l'esprit s'identifie à toutes ces choses. Ça fait que l'esprit n'est pas libre. Il est prisonnier de tout ce que tu as appris, toutes tes conclusions, tes croyances, tout ce que tu crois pouvoir détenir t'empêche d'être libre et te fait vivre dans une limite de tout ce que tu as appris. Et la peur qu'il y a de sortir de ces limites-là est très palpable dans la plupart d'entre nous. Parce que nous ne voulons pas de l'insécurité, nous ne voulons pas de l'inconnu. L'inconnu, c'est quelque chose qui est appréhendé et on se protège de l'inconnu. Et on se protège dans nos petites zones de confort où on n'a que tout le connu qui nous réconforte parce qu'on le sait, on sait comment ça marche. Ce sont nos références. Mais la vie elle-même ne vient pas de quelques références que tu peux inventer. De toute l'expérience que tu as eue hier, la vie n'est pas ça. Ça, c'est ce qui fut de la vie. Mais tu as gardé l'image de ce que la vie est. Mais en fait, tu restitues l'image et c'est l'image qui prend de l'importance, mais pas la vie. La vie n'est pas vécue, c'est l'image que tu connais. C'est ça la connaissance que tu as. C'est comment les choses devraient être. Donc tu fais tout ce que tu peux pour faire en sorte que les choses sont comme tu connais. Et ça ne peut pas exister. Ce n'est qu'un leurre. Donc tu fais tout ça et cette action crée le temps pour pouvoir y arriver. Ce but-là que tu as de faire exister ce que tu penses. Et ce temps-là, en fait, c'est une illusion. Ça n'existe pas puisque en dehors du temps, tout est là. Tout est présent, là. Il n'y a rien à chercher. Il n'y a plus rien à explorer pour pouvoir trouver du bonheur. Tout est là. La joie, la paix, l'intelligence, l'amour. Parce que ce qui t'empêche d'être là, dans cet état de grand tout, avec rien qui est imaginé, ce qui t'empêche d'être là, c'est tout ce que tu connais, tout ce que tu te donnes, toutes les promesses que tu as pour devenir ce que tu crois être. Parce que ce que tu crois être vient d'un passé avec les références, et ce sont ces références-là qui te donnent l'allure que tu as aujourd'hui. Ce sont tes conclusions. Tu dis, je suis directeur, je suis très important, je suis président, je suis ton père, je suis ta mère. Donc tu connais, tu as des références. Comment faire pour faire exister la vie comme elle devrait être? Et là, on dit que ça, c'est une illusion. C'est quelque chose qu'on veut tous garder pour pouvoir exister. Et celui qui existe, c'est ta personne, le personnage que tu es. L'amour que tu as pour tout ça, ton amour propre. Quand la vie arrive, cet amour-là que tu as pour toi, pour cet amour propre que tu as construit pour toi-même, ça s'effondre. Parce que ce que tu es, ce n'est pas vrai. Ce que tu es n'est que ce qui fut, et ce qui fut maintenant n'existe pas. Ce qui existe maintenant, c'est ce que tu es là, sans hier, sans demain, quand tout s'arrête. C'est-à-dire l'esprit
ne fait plus rien. Il est calme, il ne réagit pas aux situations. Alors, il est dans un havre de paix où, à ce moment-là, les pensées sont en berne parce que l'esprit ne réagit plus aux pensées qui passent. Il les laisse passer. Il les constate. Ça se passe. C'est comme un flot qui coule, une rivière qui coule. Tu laisses passer. Évite de te baigner dedans parce que tu vas être emporté par le courant. C'est un courant très fort qui appartient à l'humanité. Et ce courant de l'humanité embarque tous les esprits. Ça nous embarque dans le flot de ce que nous avons fabriqué. Et ce que nous avons fabriqué ne peut pas être quelque chose qui va délivrer l'esprit. Ce que nous avons fabriqué, c'est tout le passé que nous avons. Nous l'avons concocté, nous l'avons mis en place, et ce sont des espoirs qu'on a. Et l'espoir ne sauvera personne. C'est le fait de ne plus être dans l'espoir de ce que demain sera, mais là, tout de suite, maintenant. Alors l'intelligence, elle est palpable. Elle peut agir tout de suite, parce que ce que tu es à ce moment-là, c'est l'ordre. C'est le sacré, qui n'est pas souillé par le temps. Ça se trouve hors du temps. Alors, si tu sais que ce que tu es est faux, pourquoi le répéterais-tu? Pourquoi continuerais-tu à être ce que tu n'es pas? Pourquoi te donnerais-tu une allure qui n'existe pas? Pourquoi toutes les références que tu as sont gardées farouchement alors que ce sont des références qui viennent du passé et qui n'ont rien à voir avec ce que la vie elle est là maintenant? La vie, quand elle arrive, tu l'accueilles sans les références que tu as. Tu l'accueilles pour la comprendre. Mais si tu as des références, tu ne vas pas la comprendre parce que tu vas mettre tes références en avant, et tout ce qui va arriver sera voilé par ce que tu sais. Et tu vas vouloir faire en sorte que ce que tu sais soit quelque chose qui puisse réconforter l'esprit de ce qui arrive, de l'imprévisible, de l'inconnu. Parce que l'esprit, lui, à force de vivre comme ça, il cherche encore la sécurité. Il a l'habitude de ce connu. Il veut seulement le connu. Et il veut garder tout ça comme étant quelque chose de sécurisant. Donc tout ce qui est inconnu, qui n'est pas fait de tes conclusions, de tout ce que tu as appris, eh bien ça te déstabilise. Ça déstabilise tout ce que tu as pu concevoir, tout ce que tu as pu croire qui est vrai. Elle détruit toutes les conclusions que tu as. L'infini est neuf. Ce qu'il y a qui émerge de l'infini est neuf. Mais ce qui émerge de tout ton connu est vieux. Et avec ça, tu essayes de te faire une vie. Tu ne pourras jamais te faire une vie avec tout ça. Tu ne pourras que faire la vie que tu aimerais. Et ça, c'est une illusion. Mais ce qu'il y a vraiment, c'est ce qui se passe à chaque instant. Mais la plupart d'entre nous, on se protège. On rentre dans nos petites bulles et on essaye de se cacher de tout ça. On se protège de la vie. Parce que la vie détruit ce que tu as construit. Parce que ce que tu as construit, c'est faux. Et la vie, c'est vrai. En fait, s'accepter soi, ça veut dire accepter ce qui est vrai. Accepter ce qui arrive, accepter ce qui se joue en toi, c'est ta vraie nature là. Mais
Quand tu n'acceptes pas, c'est parce qu'il y a quelque chose que tu t'es donné d'être qui refuse d'être libéré. Tu n'es pas libre. Tu es emprisonné avec tout ce que tu t'es donné d'être. Et ce que tu t'es donné d'être, ce sont nos références du passé, nos conclusions, nos croyances, nos envies, nos mœurs, nos traditions, qu'on répète tout le temps. Et tout ça, c'est limité. Et dans ces limites, on crée des problèmes. Parce qu'il n'y a plus moyen de voir ce qui est vrai. Et tout le monde se bat pour aller au-delà. Et on doit faire face à celui qui nous retient. Et tout le monde te retient. Parce qu'il ne veut pas que tu ailles là-bas. Il veut que tu vives ce que eux, ils ont compris. Et ce qu'ils ont compris, c'est que tu dois leur donner quelque chose pour qu'ils puissent continuer à avoir du bien-être. Donc on s'attache les uns aux autres et on s'empêche les uns les autres d'être libres. Tu sais, dans les troupeaux de moutons, tu sais que le troupeau va à l'abattoir. Mais tous les moutons se racontent que là, on a un bon berger, il faudra le suivre. Mais en fait, tu es dans l'illusion, tu vas à l'abattoir et tu ne sais pas. Tu ne veux même pas le savoir. Quand tu le sais, tu dis « Oh non, c'est pas vrai. » Non. Si tu ouvres les yeux, tu verras que c'est vrai. On va au mur. On va à la catastrophe. On va à la rivalité, à la guerre. Parce qu'on ne s'entend pas. Tout le monde voudra sortir de ce carcan. Et c'est ça qui crée le chaos dans le monde, parce que personne ne laisse personne aller au-delà. Parce que la volonté collective t'a cloué là. Et tu dois obéir à la volonté collective. Et là, on est en train de dire... Il faut que tu désobéisses à cette volonté collective pour que tu puisses, toi, être unique, authentique, vrai, et qui donne le « là » au reste du troupeau. À bientôt.